Quand on coopère avec la France et nos collègues français, c'est surtout pour voir des exemples très concrets comment, par exemple, les notaires dans la sphère du notariat peuvent servir les citoyens de façon neutre. Comment on peut attirer les représentants de différents sexes dans ce métier? On voit par exemple en France que ce métier de notaire est très attractif pour les hommes, ce qui n'est pas du tout le cas en Géorgie. Nous n'avons que des notaires femmes. Donc je fais tout pour montrer cet exemple de France, pour dire aux jeunes hommes, bons juristes de Géorgie, que c'est une profession d'honneur que de jouer un rôle de conseil neutre vis-à-vis des citoyens, des compagnies et de jouer un rôle de conseil qui permet la sécurité juridique dans tout le pays. Le notariat géorgien aujourd'hui, et je peux le dire, qu'il est en bonne forme, c'est-à-dire qu'on fait plus confiance aux notaires, ce qui n'était pas toujours le cas depuis l'indépendance, quand on avait des notaires qui étaient des fonctionnaires d'État, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ce sont des notaires qui travaillent en tant que profession libre et on fixe juste des jalons, des règles générales auxquelles ils doivent obéir. Et les notaires jouent un rôle majeur, surtout dans le droit privé, quand on est en train de réformer non seulement les chambres des affaires civiles au sein du pouvoir judiciaire, mais aussi tout ce qui a trait avec les transactions privées, les biens immobiliers, où les citoyens ont besoin, quand ils achètent ou ils vendent, par exemple, en Géorgie, leurs biens, y compris les hommes d'affaires, ont besoin de plus de stabilité, de plus de sentiments de sécurité. Donc on mène les réformes dans ce sens-là pour que le notaire géorgien il ait plus de pouvoir dans ce domaine.